Mon nom est Nicolas Vial et je suis artiste et dessinateur de presse. J'ai commencé très tôt à dessiner pour le journal Le Monde quand j'étais aux Beaux-Arts à Paris. Et maintenant, j'ai une pleine page dans le Figaro Magazine toutes les semaines, un édito avec un sujet libre. Sinon, je fais des livres pour enfants, des livres pour adultes, des albums de dessin. Je m'appelle Hubert Poirot-Bourdin, je suis illustrateur et je suis tout juste diplômé de l'École nationale supérieure des arts décoratifs. Donc un jour j'ai reçu un message téléphonique de l'amiral Finaz, qui venait juste d'être nommé directeur du musée de la marine et qui me propose, Loïc, je le connais très bien, j'ai déjà fait pas mal de choses avec lui, il me dit, est-ce que tu peux venir, j'ai un truc un peu fou à te proposer. Alors j'ai pris mon vélo, je suis venu, il m'a remercié d'être venu aussi vite. Et puis il m'a dit, il y avait ces locaux qui étaient vides au dernier étage, en friche, l'ancien bureau du directeur. Salle que je connaissais bien et qui est magnifique, qui a une vue sur tout Paris, et il me dit voilà, je te propose de la repeindre. Est-ce que tu es d'accord? Alors j'ai réfléchi et je lui ai dit au bout de 3 secondes oui, parce qu'en fait j'aime bien les projets à la Hussard, les trucs ultra rapides, comme il n'y a plus du tout en ce moment. L'origine de ce projet, c'est un coup de fil de l'amiral Finaz qui vient de prendre ses fonctions en tant que directeur du musée de la marine et qui m'appelle pour me demander si je suis d'accord de repeindre et de me réapproprier certains endroits du musée, comme l'ancienne salle du conseil et des couloirs, des escaliers. Et évidemment, j'accepte tout de suite. La principale difficulté, c'est de peindre sur un mur qui fait 4,50 m de hauteur sous plafond. Quelle technique utiliser? Il y a l'échelle, mais l'échelle, on manque de recul. Et la composition, souvent, quand on regarde d'en bas à quoi ça ressemble, c'est raté. Donc il y a le pinceau télescopique, mais on manque de précision. C'est la principale difficulté. Bon, j'ai opté pour le pinceau télescopique qui manque de précision, mais au final c'est pas si intéressant. Les sensations que j'éprouve à peindre sur un mur, pour moi c'est génial, vraiment, parce que j'ai fait des études d'art mural et des études de peinture.
art mural, c'est-à-dire des fresques et des mosaïques et autres, des très grands formats. J'étais à Olivier de Serres, puis ensuite au Beaux-Arts. Et à chaque fois, j'ai choisi l'art mural. Donc moi, je voyais déjà, je croyais que c'était un métier, je croyais qu'on pouvait faire comme Orozco, Diego Rivera et tous les peintres mexicains, et ou Fernand Léger, peintre français, faire des grandes surfaces. Et en fait, il n'y a pas du tout de commandes, il n'y a pas du tout de... Et c'est assez rare ici d'avoir à peindre comme ça. Et la matière du mur est plutôt sympa parce que il y a des chevrons. C'est un vieux papier peint qui a été peint en jaune. Il y a des chevrons et je me sers de ça en faisant des frottages pour avoir des matières. Puis j'adore peindre en très grand et avec des grandes gestuelles. C'est une sensation toute nouvelle pour moi de peindre sur un mur de cette surface. J'avais déjà peint sur des grands formats, mais c'était surtout sur des toiles ou sur des grands formats en papier. Là, la grosse différence, c'est que le mur, c'est plus difficile de revenir dessus. On ne peut pas le jeter si c'est raté. Donc c'était un beau challenge. 4,50 m de hauteur de plafond, la salle, j'ai pas les dimensions exactes, mais elle est quand même imposante. Et donc au début, il y a un petit peu d'angoisse. C'est pas une angoisse de la page blanche, mais du grand mur blanc. Et puis comme à chaque fois que je me mets à bosser, une fois qu'on est lancé, la main se détend et puis on finit par y prendre goût et à ne plus vraiment réfléchir à ce qu'on fait et le dessin et le trait vient tout seul. Ouais, j'ai pas vraiment rencontré de difficultés à peindre sur les murs vu que j'avais déjà fait quand même pas mal de murs dans ma jeunesse. C'est comme le vélo ou la natation, ça se perd pas. Et sinon, pour mes sujets, j'ai balancé tout mon univers, c'est-à-dire tous mes animaux mécaniques, mes bateaux jouets, évidemment mon thème sur l'environnement, sur les marées noires, sur les dégazages de bateaux. Donc j'ai mis ce grand pétrolier échoué. Là. Je suis reparti d'une idée que j'ai faite en gravure sur bois dans le Monde il y a très longtemps quand l'Erika avait cassé, avait déversé son fioul sur toutes les côtes de France. Et j'avais eu cette idée de faire un avant de poisson, de pétrolier en forme de tête de poisson. Et l'arrière du pétrolier était relié par l'avant par une arête de poisson. Et ça dégoulinait de pétrole partout. Voilà. Alors j'ai aussi voulu introduire quelques touches d'humour dans cette fresque. Quand on tourne un petit peu la tête, on découvre ces scénettes qui normalement doivent faire sourire les personnes qui rentrent dans la salle. J'ai toujours été élevé dans une ambiance maritime.
Et ce que j'aime par-dessus tout, c'est voyager, si possible par la mer, et emmener avec moi mon carnet de croquis et dessiner sur le vif la salle des machines, la passerelle, les carrés. Ça, c'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup. Là, se retrouver au musée de la marine, c'est un bel aboutissement. En fait, j'ai mis tellement de sujets sur les murs, tellement de choses différentes. Il y a des trucs de doc, il y a des voiliers, il y a un portrait de Blaise Cendrars à l'entrée, il y a mon bestiaire, les crocodiles, les rhinocéros, des tas de trucs avec des boulons, des vis. Parce qu'en fait, je ne vous l'ai pas dit, mais je suis un ancien matheux et j'ai choisi de faire du dessin, mais j'avais l'esprit scientifique et j'aimais les maths et la physique. Donc on voit un peu dans mon travail ce côté matheux, je sais que ça ressort. Je ne sais pas comment on va vivre cet espace, puisque je ne sais pas exactement tout ce qui va s'y passer. Par les fenêtres, il y a la tour Eiffel, il y a toute la vue sur tout Paris, et c'est carrément magnifique. C'est tellement charmant en fait que je sais pas, il se passe un truc au musée de la Marine, on se sent bien quoi.